J'ai récemment effectivement publié donc deux livres, qui est un qui est adressé aux 8-12 ans, qui est donc Orage, petit cerf des ténèbres, et un qui est adressé aux 12 ans et plus, donc c'est du jeune adulte, c'est donc Au service de Sa Majesté la Mort. Travailler ces deux publics de ces deux manières différentes de faire. Alors travailler en parallèle, c'est une chose. Moi, je suis quelqu'un qui travaille surtout, on va dire, en série, une chose après l'autre. Et donc, justement, pour me concentrer sur un public, pour ne pas être influencé en regardant d'autres choses, j'ai une tendance à me laisser distraire. Donc voilà, je prends une chose à la fois et c'est vraiment une méthode qui me tient à cœur. Et ces publics, comment on les distingue? C'est surtout en fait le vocabulaire qu'on va employer et la morale qu'on va vouloir déployer. Parce que quand on a 8 ans, on en a assez des livres un peu bébés dans certains cas, donc on a envie d'avoir quelque chose d'un peu plus complexe. Et puis quand on a 12 ans, on veut aussi passer à l'étape supérieure, donc c'est vraiment la capacité à créer en fait un contenu qui réponde à des besoins qui évoluent. D'ailleurs, c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a des enfants de 7 ans qui ont déjà beaucoup lu, qui veulent quelque chose de plus complexe, et des enfants qui ont 11 ans, qui ont beaucoup moins lu, qui veulent des choses plus simples. Donc on est sur une période, on va dire, un peu bâtarde presque, si je peux utiliser ce terme. Donc voilà. Alors, dans les deux cas, je reste sur du fantastique, pour une raison qui est toute simple, c'est que j'ai du mal, en fait, avec le contemporain, ou alors que je suis un historien de formation, avec le trop historique, quand je veux créer des intrigues, pour une raison qui est toute bête. C'est qu'en fait, on a beaucoup plus de liberté à partir du moment où, et de créer, et de faire intervenir des choses, quand on passe dans le fantastique. Donc, avec Orage, c'est effectivement du fantastique conte de fées, avec Au service de Sa Majesté la Mort, on est dans un cadre historique, et je rajoute du fantastique pour pouvoir jouer dans ce cadre, sans toucher à des éléments historiques, sans faire intervenir des personnes en disant mais non, historiquement c'est pas passé comme ça. J'ai un cadre, je peux jouer avec sans danger, et puis c'est simplement l'envie, parce que j'ai été rôliste, je suis toujours rôliste, et les rôlistes on aime bien le fantastique. Alors quand on parle de mort-vivant, on pense souvent effectivement zombies, on pense souvent vampires. Pour ma part, effectivement, je déteste les zombies, il faut savoir, il y a des zombies partout. Mon souhait c'était de... Il y a beaucoup d'ouvrages fantastiques, d'ailleurs très bien, qui présentent plein de créatures fantastiques, loups-garous, vampires, tout ce qu'on veut. Et moi je voulais aller un cran plus loin, c'est-à-dire qui contrôle ces gens-là, qui s'assure que... surveille tout ce petit monde. Donc Au service de Sa Majesté la Mort, justement, c'est les services de la mort, comme son nom l'indique, qui vérifient que, à l'heure dite, les morts arrivent bien devant elles. Donc les vampires, c'est un problème pour elles, parce que son administration n'accepte pas qu'on soit en retard à son rendez-vous avec elles. Donc la mort envoie ses agents. Et les morts-vivants, je les voulais loin des caricatures de morts-vivants, je voulais les morts-vivants qui soient conçus pour pouvoir servir la mort, donc capables d'évoluer dans le monde réel. D'où le fait qu'ils n'aient pas des apparences particulières ou qu'on puisse facilement les identifier comme tels. Ils sont là pour une mission, il faut que ça reste cohérent. Alors, pourquoi écrire effectivement pour un public jeunesse? Je dis beaucoup effectivement, c'est terrible. Pourquoi écrire pour un public jeunesse? Eh bien, c'est très simple, c'est qu'en fait, moi j'aime beaucoup les exercices de style. Et au bout d'un moment, quand on écrit beaucoup de choses historiques ou beaucoup de choses pour les adultes, on se dit qu'on est en train de tourner en rond. Et c'est important vraiment de varier. Je pense que tous les auteurs, on a connu un jour la quête de l'inspiration et se forcer à aller faire autre chose, à réinventer des choses, c'est très très important. Et voilà, moi c'est vraiment un plaisir de faire ça. J'ai toujours aimé l'exercice de style. Et donc, ce qui a commencé comme un exercice, c'est devenu une intrigue qui est devenue un manuscrit, un manuscrit qui est devenu un livre. Et voilà, c'est comme ça qu'on passe d'historien à jeunesse. Comme je suis complètement égocentrique, je vais répondre mon héros, Orage. Et pourquoi? Parce que je sais que mon patron prend soin de moi.